Oula. Au vent. Bonjour toi, je m'appelle Fabio, le chef de secteur du secteur 2. On dirait que tu te débrouilles pas mal. Et ouais, déjà rendu là. Oh, ça va vite fait là aussi. Alors, on va faire ça. Et voilà, ça c'est fait. Je vais encore avoir une récompense. Les Pokécoupons, un truc comme ça, je sais plus. Bien, voici les Pokécoupons. Voilà, c'est ça. Pour avoir traversé le secteur 2. À partir du secteur 3, ça va se casser un peu, tu sais. Ne relâche pas tes efforts. Ah, ça me fait pas peur. Félicitations, vous avez terminé le secteur 2. Comme c'est la première fois, voici un cadeau souvenir. Voilà, merci, c'est gentil. Je vais peut-être prendre un autre Pokémon. Ah, je sais pas, ils en sont, les Pokémon, en fait, obscurs. J'ai regardé avant. Parce qu'en fait je voudrais entraîner aussi, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Oui tu. À moins qu'il soit déjà dans mon équipe. Non, ouais, il est pas là. Ah oui si je sais, bah non je l'avais mis à la pension, c'est pour ça. Ah oui d'accord, ça y est, ça me revient. Bon bah du coup, reviens. Reviens avec moi toi. Allez hop. Je m'en rappelais plus. Bon. Bah c'est reparti, secteur 3, go! Nous voilà au dernier, à la dernière plateforme du secteur 3. Bonjour, je suis Ambré, la chef du secteur. Nous perdons pas de temps au combat. Elle est pressée la meuf. Hein. Bon bah go! Hein. C'est vrai que c'est un petit peu plus coriace que le secteur 1 et le secteur 2. Là ils ont niveau 25-26, même un peu plus. Moi ça va le faire. D'un coup, j'ai hâte que c'est fait. Et après, l'entraînement sera terminé. On pourra aller au Libra comme prévu. Comme ça, là, je suis paré. Allez, plus qu'un.
Voilà, ça c'est fait. Yes. Tu me défends? Bah oui, évidemment tu me défends. Voici tes Pokécoupons pour le secteur 3. Notre combat m'a plu. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Dans les autres secteurs, hein, on fera ça plus tard. Parce qu'il nous reste 6 quand même. Félicitations, vous avez terminé le secteur 3. Comme c'est la première fois, voici un cadeau souvenir. Merci. Bon, il me donne des CT, mais on sait pas ce que c'est. On va regarder vite fait. Ah oui, donc ouais. Ouais, j'ai des attaques bien. Le problème, c'est que ça, je peux pas les faire apprendre à mes Pokémon obscurs. Tu peux m'envoyer à l'accueil. Merci. Ça va plus vite comme ça. Au revoir, à la prochaine. Donc moi je voulais juste voir où j'en étais avec le Pokémon obscur. Parce que là s'ils sont prêts, il faut y aller maintenant. Ouais, non, ils sont pas prêts encore. Alors, c'était où qu'il fallait déjà y aller maintenant? Ah voilà, c'est là. C'est libre. Ça rigole plus là. Ah. Eden, merci d'avoir attendu. Le CFP a enfin réouvert ses portes et la tentative d'infiltration du groupe Ombre est oubliée. Nous attendons tous ta visite avec impatience. Ok, mais là pour le moment j'ai pas le temps parce que je suis là quoi. Je viendrai vous voir, je sais pas quand. Ah bah mince, attendez, je vais aller un peu plus doucement. Oh non. Là, je vais faire ça avec les flèches parce que là je suis en train de faire ça au joystick. Ouais, avec les flèches et parce que sinon on tombe. Ah, je vais être obligé de le faire en plus. Ah, c'est dommage que je peux pas grimper comme ça. Ah, du coup, je suis obligé de refaire. Genre, mon personnage, il peut pas grimper, quoi. Ah, bah non, j'ai fait avec les flèches en plus. Oh non, oh non. Mais je suis vraiment pas doué, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Je vais trop vite là, je vais prendre mon temps, on va y arriver. Pas trop quand même. Hein. Voilà, là c'est bon. Si ça se trouve, on va avoir encore des gens qui vont tomber du plafond, on va voir. Au moins, il y en a pas. Oh. Le laisser filer après tant d'efforts, je suis dégoûté, Timou. M'en parlez pas, Donozer. Une occasion comme celle-là, ça ne se représente pas de... ne se représentera pas de sitôt. On aurait dû l'avoir. Ça aurait augmenté votre collection de 7%. Quel gâchis, 0,7% pas 7%. Il s'est enfui parce que vous avez trop de bruit de nos heures. Quoi? C'est de ma faute en plus. Un peu de respect s'il vous plaît, je suis votre chef quand même. Ça m'a pourri le moral cette histoire. Quelle sale journée. Oh, un intrus chef. Ouais, c'est encore moi. Oh, il fallait que cet idiot de vampire vienne tout gâcher. Quelqu'un a laissé entrer cet intrus. Notre opération de récupération est terminée, mais on ne peut pas te laisser partir. Pas maintenant que tu nous as vus ici.
Hé ! Oui, chef. Je te confie le gars, apprends-lui à ne pas venir fouiner dans nos affaires. Bien, chef, vous pouvez compter sur moi. Retournez au repère, je m'en occupe. Je m'en occupe. Bien. T'as entendu ce qu'il a dit? Je vais au repère aussi. Je compte sur toi. Et attends, c'est pas ce qu'il a dit. On a un truc important à faire au repère. On doit transformer les Pokémon du bateau en Pokémon obscurs. C'est un boulot important, non? Je sais pas m'y prendre avec les gosses. Je suis 38% moins bon que toi. En plus, je risque d'empirer l'humeur de Donosaure de 72%. Il vaut mieux que tu t'en charges, non? Ça montrait notre efficacité totale de 63%, tu sais. C'est dans notre intérêt à tous, tu comprends? Je compte sur toi. Ah, mais ils sont vraiment débiles. J'en ai marre, c'est toujours moi qui récupère le sale boulot. Bon, je vais devoir te donner une petite leçon. Je prends pas mal, c'est le boulot. Je pense qu'il savait d'avance qu'il allait s'en prendre plein la figure avec moi. C'est pour ça que... Bon, est-ce qu'il y a un Pokémon obscur ou... Pokémon obscur à beurre. Non, il doit y en avoir à beurre, mais après, lui, je sais pas s'il y en a. Hein. Il y en a quand même 4 Pokémon. Je suis sûr qu'il y en a au moins un. Un obscur. On va voir. Là en plus je me suis bien entraîné et tout là, donc là ça va y aller là. Ça va faire mal pour eux. Alors ça et ça. Ah, je fais n'importe quoi. J'appuie pas sur les bons boutons. Bien, c'est terminé, hein. Il n'y a pas eu une Pokémon obscure. Quoi, j'ai perdu. Je ne peux pas retourner au repère comme ça. Bah si, t'as pas le choix. Hein. Ah, c'est qui celui-là? Je t'ai vu à l'œuf contre ces vandales. Je te défends. Tu te défends bien. Moi, je suis tombé sur ce bateau par hasard, alors je me suis installé. Il y a plein de choses à manger, ce n'est pas un trou. Et toi, le meilleur aussi fait. Je suis content que ces gens soient partis. C'est grâce à toi, merci. Le combat a dû te fatiguer, tu peux te reposer chez moi dans la timonerie. C'est là où il y a la barre. Merci. On a rencontré un gentil, dis donc. Et en plus, il soigne mon Pokémon. Alors, tu as bien dormi? Reviens quand tu veux, si tu as besoin d'un peu de repos. Ah tiens, j'aurais un service à te demander. De temps en temps, j'entends de drôles de bruits provenant de la cale. Je suis sûr que quelqu'un se cache là-dessous. Tu ne voudrais pas aller voir? Moi, j'ai trop peur. Ah ouais, si tu veux. Non, si ce bruit me fait si peur qu'il m'empêche de dormir la nuit. Reviens me voir tout me dire pour me dire si tu as trouvé quelque chose. On va voir ça tout de suite, mon gars. Ah, j'ai vu un truc. Non, mais je m'en fous du livre, c'est le truc qui brille que je veux. Voilà, merci.
Ah, j'aime pas les trucs comme ça, à chaque fois je tombe. Ouais, bah là, j'ai fait exprès. Hein. Pardon. Pour pouvoir passer pour prendre des objets. On va commencer ici. Voilà, moi je peux faire hop, comme ça, sans ne pas tomber. Que les caisses se remettent voilà. Et voilà 500 S. Ah, c'est de la logique très simple. Pierre feu, merci. Oh, on va encore falloir faire de la logique là. Mais attendez. Bah là j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû attendre. Pas comme ça qu'il faille faire. Voilà, attendez que je réfléchisse. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Encore un petit peu de casse-tête à ce que je vois. Oh, j'ai un Pokémon qui est prêt à être purifié. Mais j'ai pas le temps. Pour l'instant, il faut que je fasse ça. On va faire un petit détour plus tard pour ça. Au moment où je finis ça, faut que je trouve un Pokémon. Comme ça, je pense. Oh là là, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. À moins que ça marche en diagonale, là, on va voir. Ah, je m'en doutais. Ah, zut. Bon, parfait. Comment je fais là? Attendez, là ça va pas du tout. Hein. J'ai horreur des casse-têtes, moi. J'ai horreur de ça. Voilà, ça doit pas être ça, je recommence. Ah, qu'est-ce que vous ferez à ma place? Je me le demande.
Bon, déjà, je vais prendre l'objet qui est là. Ah, j'en ai un autre qui est prêt. Peut-être comme ça. Ouais, ça m'a l'air bon. Voilà, c'était comme ça en fait. Simplement. Ah, attendez. Je le pousse encore une fois. Voilà. Là, on est bon. Là. Ah, non ! Ah, putain, c'est pas vrai. Ah, mais pourquoi tu pousses le carton là ? Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, on refait. On est arrivé. Ouais, c'est ma manette, elle fait n'importe quoi là. Voilà, allez doucement comme ça. Voilà, tout ça pour une flûte, bah yon. Ah, et le voilà le Pokémon. Eh, c'est le Pokémon qu'on cherchait en plus. Manzai. Attendez, avant je vais visiter bah derrière, mais il n'y a rien derrière. Okay. En fait, faut pas que je le réveille. Ah si, là, il y a quelque chose. Il faut que je marche tout doucement, les gars. À partir d'où, je sais pas. Aller plus lentement que ça. Eden, j'aimerais écrire un livre sur toi. Laisse-moi t'interviewer, s'il te plaît. Ton histoire va captiver le lecteur. Je te remercie comme il se doit. Merci d'avance. Ouais, merci d'avoir de m'avoir fait fuir mon Pokémon. Saleté! Il est où maintenant? Ah, il y a un truc là. Il a fait tomber ça, je pense. Il est parti là, du coup. Ouais. Moi, je vais aller au purificateur, moi. Puis on va revenir au libre après, plus tard. Alors, tu as vu quelque chose? Ouais, c'était Manzai. C'est un Pokémon, je suis rassuré. Vraiment, c'est un Pokémon qu'une petite fille t'a demandé de chercher et il s'est enfui. Oui, ce n'est pas l'endroit idéal pour un Pokémon sauvage ici. Pourquoi n'irais-tu pas voir dans des endroits où les Pokémon sauvages se réunissent? Allez, je retourne chez moi. Grâce à toi, j'ai l'esprit tranquille. Repasse quand tu veux, tu seras toujours bienvenu. Est-ce que je peux passer par là? Ça met nous ici. Ouais, c'est la sortie. Eh non! Mais c'est moi! Stop, personne ne passe! Oh non, je suis encerclé d'idiots. Je suis Rob de la Team Snatch. Ça te ferait pas de mal de te souvenir de ça. D'un autre côté, si tu oublies, ça ne te fera pas de mal non plus. Silence.
Tu dois être trop jeune pour avoir entendu parler de la Team Snatch. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gens tremblaient de peur en entendant notre nom. Ouais. On a décidé de se remettre au travail. On va capturer des Pokémon et semer la terreur. Et on va faire tout ça grâce à ton Snatcher. Hé, je sais que tu es peur, mais tu ne fais pas peur. Vas-y, Artie, utilise ta poudre dodo, envoie le gus dans les bras de Morphe. Oh le salaud. Ils m'ont volé. Enfin réveillé, ça va? Dis, ces gens, ils ne seraient pas de la Team Snatch par hasard? Pourquoi est-ce qu'ils en sont pris à toi? Vraiment, ils remettent ça alors? La Team Snatch, c'était un groupe de grosses brutes qui volaient des Pokémon avec l'aide du groupe Ombre. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas entendu parler d'eux, je pensais qu'ils s'étaient séparés. Je pense que tu devrais essayer de récupérer ce qu'ils t'ont pris. Je crois qu'ils sont partis vers le nord. Ils poursuivaient d'autres gens à l'air plutôt louche. Ok. Ah oui, donc le Libra c'est déjà terminé en fait. On a tout fait ici sur le bateau. Apparemment. Il faudra aller à l'endroit où ils sont. Avant, je vais aller au purificateur. Acheter des Pokéballs aussi, des Hyperballs plutôt. Ah, ils en ont même pas des Hyperballs. Ah, je pensais que j'avais plus d'argent que ça. Moi. Ah, mais je peux rien prendre en fait. Je suis pauvre, je suis ruiné. Je vais chercher ma bête. Ça c'est gratuit. Merci Pépé. Ah, je voudrais voir combien de niveaux il a gagné mon Pokémon. 5 niveaux. Ok, bah je le laisse encore. Hein. Donc je crois qu'il doit avoir du coup niveau 19, un truc comme ça, parce qu'il me semble qu'il y a eu niveau 14 quand je l'ai déposé. Je suis pas sûr, hein, mais oui, ça va. Je suis presque sûr quand même. Alors j'ai deux Pokémon prêts à être purifiés, ça c'est bien. T'as le gamin puis l'autre, je sais pas, ça va être une pique peut-être. Pourquoi il tremble comme ça? Non, c'est bon. Ah, l'attaque canicule, je l'ai jamais essayé, ça se trouve c'est super bien. Ça doit être super efficace.
Sinon les deux autres, ils sont encore un petit peu loin, je pense. Ouais. Bon, je vais déposer les deux là, du coup. Tas de morve. Allez hop. Pokémon obscur avec les Pokémon obscur. Voilà. Bon là on est embêté, est-ce qu'on a plus de stature? Je peux plus capturer de Pokémon obscur pour le moment. J'ai déjà eu récupéré. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ici encore? Les choses m'attendent. Ça sert plus à rien de se cacher. Comment ça qui on est? On est de la Team Snatch. La Team Snatch, jamais entendu parler. Lui non plus, il nous connaît pas. Si c'est pas triste quand même. Partons. Il vaut mieux laisser ça à Elgonza. Ça va pas. On va enfin réussir à trouver le groupe ombre et tu veux arrêter? Hé, hey, t'as pas de muscles, écarte-toi. Non, c'est... Hé, hey, t'as de muscles, écarte-toi de notre chemin. On doit rentrer. T'as de muscles. Ça lui a pas plu. Tu oses appeler le grand et incroyable Barry t'as de muscles. C'est mieux que t'as de graisse, hein. Grr, tu vas le regretter. On va assister à un combat, là, super. Grouillez-vous là parce que moi je vais sauvegarder là. On va arrêter là pour l'épisode. On va se retrouver au prochain. Hein, le mangriffe là, il va falloir capturer ce Pokémon obscur. Dès que j'aurai mon snatcher, hop. J'ai encore perdu un combat. Oh le coup. Ah mince. Qu'est-ce que je disais? On aurait dû attendre Elgonza. Je suis sûr que Rob est arrivé au repère et qu'il a déjà donné le snatcher à Elgonza. Hé, tu en veux encore? Ah. On se retire et on se rassemble. Allez au repère. Hé, tu les suis pas toi? T'as du cran mais... J'y suis. C'était le gamin de Pommery, tu fais quoi ici? Tu apportes la poisse depuis... Non, tu portes la poisse depuis que je t'ai vu. Il m'a fait rien de bien. Déjà à Pommery, j'ai dû me battre contre un mec qui débarquait de je ne sais où et qui m'a écrasé. Écoute, Donozer m'a passé un savon pour avoir montré des Pokémon obscurs sans autorisation. C'est pour ça que je suis là à monter la gare maintenant. C'est ma punition. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre quand même. Comment Donozer a-t-il su? Ah, ça me met en boucle de repenser à tout ça. Pour la peine, je vais passer mes nerfs sur toi. Genre, il a déjà guéri ses Pokémon. Il m'empêche de sauvegarder ma partie. Il veut faire un combat. Là. On fait le combat avant. Hein. Ah ouais, mais là je peux pas le capturer parce que j'ai pas le snatcher. Je suis obligé de mettre KO de toute façon.
En plus, j'ai ma caméra qui est en rouge, les mecs, ça va couper un petit peu là. Je suis désolé. Je l'ai eu.